Aujourd'hui, j'ai invité le top 1 Europe en mode enquête sur Fortnite. Ce joueur s'appelle Crizix. Et pour l'anecdote, c'est un joueur console, donc comme quoi même des consoles peuvent être top 1 Europe. Il a réussi à atteindre la première place du mode enquête en 12 heures. Pour ceux qui se demandent, aujourd'hui, il n'est plus top 1. Mais il en est vraiment pas loin, parce qu'en fait, il faut savoir que la compétition est acharnée pour avoir cette place. Vous vous doutez quand même que si jamais il a réussi à l'atteindre, c'est qu'il est très fort, et je peux vous l'assurer. Donc, quelles sont ses astuces et ses stratégies pour monter Unreal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour les plus curieux d'entre vous, je tiens à vous préciser que ses réseaux sont disponibles dans la description. Allez, c'est parti, let's go. Du coup, ça y est, on est avec Crizix dans le lobby. Comment ça va, mec? Ça va et bien. Tu sais que t'es une star. Comment t'as fait pour être top 1 monde? Tu vas nous expliquer ça dans la vidéo, mec. Et du coup, attends, c'est une question toute bête que je vais te poser. Tu tryhard à mort le mode ranked. Tu joues combien d'heures par jour? 5h, 6h des fois. C'est vraiment un minimum. Tu vas encore en cours ou pas? Oui. Oui, du coup, ça veut dire que tu joues quand tu rentres, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais là, non, parce qu'il y a une cup, je dois vraiment la trade. Ah, donc ça veut dire que par exemple, quand il y a une grosse cup, c'est quand même priorité à la cup sur les cours? Oui, mais pas trop. Je vous explique à la Darode. Ouais, voilà, ok, ouais. T'as intérêt à la gagner, la cup. Hein. Allez, c'est parti, je te suis, let's go. D'abord, Crizix, c'est pareil, j'ai une question. Ça fait quoi d'avoir été top 1 Europe pendant une heure sur le jeu? Ah bah franchement, ça m'a fait plaisir, j'étais content et voilà. 12 heures aussi, ça fait 12 heures quand même. Tout de suite, j'étais choqué, je croyais pas, mais j'ai vu. Quand t'as fait tes games de placement, t'es arrivé quoi? Platine 1. Platine 1. Du coup, après, t'as monté plate 2, plate 3, diamant 1, diamant 2, diamant 3, élite, champion, Unreal. Et quand t'es arrivé Unreal, t'étais positionné combien? Bah au tout début, il y avait un bug. Je voyais pas, du coup, j'ai dû relancer mon jeu et là, j'ai vu que j'étais premier. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah ouais, donc ça veut dire que t'es peut-être arrivé Unreal en premier? Oui, bah oui, c'est ça en fait. Parce que j'étais bugué moi au tout début. Putain, mais c'est insane! Ouais, vraiment, mais je troll pas. C'est vraiment une dinguerie. Ah, c'est incroyable. J'étais vraiment choqué. Vas-y, on les démonte. Sur moi, il y a énormément de monde. Putain, c'est des malades. Par contre, mec, les sons ils sont fiaqués hein, parce que je n'ai rien entendu. Le mec il m'a cru dessus. Je savais même pas qu'il était là. Ça c'est un bug de Fortnite. Allez, Crizix, top 1 monde, c'est ton moment. Ouais, j'ai pas de maths. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, mais c'est my bad. J'aurais pas dû mourir là-dessus, ah, punaise. Il y a une voiture au pire. Hein. Tu peux taille? Ouais. Oh, let's go. Ah, il casse les pneus, ils sont relous. Allez, t'es le boss, mec. Bien joué. Fais gaffe derrière. Il attend son mate. Hein. Oh, le relou. Bien joué, ça. Oh, punaise. Oh. Non. Oh, 154. On a pas de réussite, j'en ai marre. Non mais tu sais quoi, au moins c'est bien, ça prouvera que même en étant top 1 monde, on fait des retours lobby. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Dis-moi où on va spawn, un spawn plus safe. Non, en fait, mi-safe, genre à la fois, parce que si tu veux, j'ai envie qu'on rentre une grosse game, mais en même temps, ça sert à rien qu'on joue comme si on était 4 Unreal et qu'on démonte tout le monde. En fait, faut juste qu'on sorte du spawn, hein, en vrai, de vrai. Spawn ici, hein, tu temples, je sais pas si tu connais. Ouais, temple, c'est trop bien. Allez, c'est parti, let's go. Bon, du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui est par exemple bloqué en or ou en platine et qui a envie de monter Unreal ou même pas forcément Unreal mais déjà élite ou champion? Alors déjà, premièrement les gars, il faut déjà pas rush dès le début, ça sert à rien. Pour les points en fait, okay, c'est à la fin que ça donne, à partir du top 10. Donc tu conseilles, voilà, grosso modo, à partir du moment où il reste 10 joueurs dans la game, de sauter c'est sur ça, tout ce qui bouge. Voilà, c'est ça exactement. En vrai, c'est surtout le top 1 qui compte, c'est vraiment le top 1. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque j'avais fait top 2 5 kills en live, j'avais gagné 3% sur ma barre de progression, alors que si jamais vous faites un top 1 avec 10 kills et que les 10 kills vous les faites dans le top 10 ou presque que dans le top 10, vous pouvez facilement gagner genre 40 ou 50%. Et je vous jure que c'est pas une blague. Exactement. Dites-vous, X-Build, il a gagné... Non, je sais plus si c'était X-Build ou si jamais c'était Nonols ou Ties, enfin bref. Il y a un de mes potes qui a gagné 100% en faisant un top 1 30 kills en squad. C'est aberrant. Ça, c'est une question bête, mais elle m'a été posée par un abonné qui me posait la question, mais moi j'avais pas la réponse. Il me demandait si jamais il y avait des heures plus propices pour jouer. Genre, par exemple, est-ce que à minuit les joueurs ils sont plus forts qu'à 18h ou justement c'est l'inverse? Oui, ça change rien en fait. Ça dépend. Donc en fait, ça change rien. Ça change pas trop, mais en vrai, si un peu. Parce que vers minuit, les petits doivent aller dormir. Du coup, il y a ceux qui, voilà quoi, qui sont réveillés et voilà, hein, ils se lancent et ils tryhardent. Hein. Ça tryhard vraiment beaucoup à partir de minuit. Ouais. Attends, c'est... ça viendrait. Ah ouais, vas-y, let's go. J'ai juste pas de katana. Mecs, ou je rêve? Oui, au circuit. Le mec circuit, il a pris moins 3x29. Un HP. Bien joué ça, let's go. Vas-y go méga pour le bot, let's go. Non mais en vrai je vais te le dire, ça me fait plaisir de jouer avec celui qui est top 1 monde ou en tout cas qui l'a été, parce que moi j'ai pour habitude de jouer avec Semco et Semco c'est pas le top 1 monde. Voilà, va le faire à juge. Non mais on l'aime Semco, on l'aime mais... Ah bah y'a des mecs. Regarde, on va attendre des secondes. Tu me dis lequel on focus? Lui là? Non, pas encore. Après ils vont tirer là, ils vont rien entendre. Oh, j'ai pris une balle de barrette. Ah putain ouais. Crac, on a pris. Bien joué, l'autre moins 14. Moins 114. Ouais,
Fais gaffe, y'a l'autre team. Ah, y'a encore une autre team au loin. Ah, y'a deux autres teams, fais gaffe. Pars si tu peux, Krizik. Ouais, y'a deux autres teams. Plus la team au barrette. Y'a encore un mec ici, je crois. Mais what, il est démonté partout. Oh, c'est une folie. Ma peau, hein. Ouais, ils te lâchent pas là, ils sont amoureux. Oh, comment tu vas t'en sortir là? Oh. Alors lui. Danse. Attends, je sais pas danser là. J'ai mes atouts. Ah, toi aussi t'as le problème des atouts. Et les manettes, ouais, y'a que nous qui pouvons comprendre ça. Ah oui. T'as envie de danser là, ça te sort ton atout. Oh, il est pas con. Oh, tu l'as pris sur le jeu. Non, dommage. Toujours on se fait ramasse, hein, je te jure, toujours on se fait ramasse. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on relance et cette fois-ci on fait un top 1 avec 30 kills. C'est parti. Oulala, bonne chance. En vrai, go dodge, go ici. Hein. Tu veux dodge? Vas-y. Ouais, vraiment. Ils ont des meilleurs d'hab que nous. Je prends la maison là, y a des armes. C'est toi la voiture? Y'a un mec qui non, passe. Non, c'est pas moi. Ah, y'a un mec sur toi? Mais non, mais j'ai pas compris, il passe en voiture à côté de moi, il a failli m'écraser. Par contre, y'a des mecs qui me tirent dessus à 500 mètres. What, mais c'est des malades! Ah, mais il me spam encore! Ah, j'arrive. Mais pourquoi il fait ça? Ah, je sais pas, hein. C'est des malades. Il me rush. Son pote est en katana là, tu l'as vu? J'ai qu'un pompe de guerre, blanc, j'ai rien d'autre. Ah, on a rien en fait. Un kilo. Un down. Nice, bah, parfait. 85. Putain, il est boxé, je crois, J'ai pris ma tuma. Crac. Let's go! Ah, mais y'a des mecs qui stratnade. Non, mais j'arrive pas là, je comprends plus rien là. Ils sont contact. Ouais, ils sont là. Moi je taille en caisse, hein. Viens là, dans la voiture. Ouais, 1K60, 120, 1 HP, down. Non. Bien joué. 80, il a 1 HP. Bien joué, let's go. On est le best joueur en fait. Je te jure, ça va duo et ça va gagner la World Cup. On a rien, on est en train de les arracher. En fait, la duo ça traite beaucoup, je trouve. Mais moi je vais être honnête, je préfère largement le duo à la squad parce que en squad en fait c'est tellement brouillon les fights que je comprends rien. Et en plus peut-être que toi comme du coup t'es monté hashtag 1 Unreal, t'as pas trop ce problème. Mais moi je sais que quand je joue en squad avec n'importe quel squad, ça hurle dans tous les sens, ce qui fait que tu comprends plus rien où est vraiment le fight en fait. Ah, c'est la com, c'est surtout en squad, la com c'est trop important. Ah, bonne pioche exotique. Bah j'ai un pompe de... Ah, c'est ultra fort, le pompe exotique. Mais il casse à 400 une balle. Ouais. En vrai je suis pas fan mais... En fait si tu veux, je suis pas fan non plus en tant que pompe, mais ce que je fais du coup dans ces cas là c'est que je prends PM et il me sert en gros pour all-in le pompe là. Et de loin, c'est pas mal ça. Genre à 50 ouais, mètres, PM, pompe, c'est fort, ouais. Si le mec est ici, je te jure que je peux lui mettre mon 150 de là. Bah tu vois, regarde, j'ai one shot l'arbre. Vraiment ? Regarde, 150 de là, l'arbre. Oui. Regarde. Est-ce que ça va vraiment loin ? Mais je me demande si c'est pas genre 80 mètres, mais forcément plus tu vas loin, moins c'est. Il y a de dégâts. Bah, par exemple, l'arbre, regarde ici, je peux le casser, je crois. Parce que 80 mètres. Tu vois ? Waouh, c'est cheaté, hein. T'imagines Barrette le pompe ? Oh. Mais c'est trop fort du coup. Attends, on va tester vraiment la range. Jusqu'à quelle distance je peux casser? En vrai, ça peut être bon à savoir pour les caps ça. Par exemple, il faut trouver un arbre à 100 mètres. Là, il est à 73. Attends, je me recule. Là, je suis à 100 quand mètres même, tout pile. Quand même pas. 100 mètres, je peux pas. Je me mets à 90. Ah, non, ouais. 90, je peux pas. Ouais, ça, c'était bien 80, je pense. 80. À 80, je peux pas. 70 mètres. 70, je peux. Ouais, c'est ça, ouais, un peu comme ça. Je pense 75 aussi, ça fait. Attends, je vais essayer du coup. 80. Comme ça, moi, on sait. Ouais. Même, attends, je me mets à 77, 78, comme ça, on est sûr. 78, je peux pas. 77, je peux pas. 76, je peux pas. Ah oui. 75, je peux pas. 73, je peux pas. 71, est-ce que je peux? 71, je peux. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon à savoir en vrai. Je savais même pas du tout. Hein. Bon, là, en vrai, c'est un peu chaud. Il y aura des mecs qui auront des bleuvages. On va mieux décaler, hein, pas te mentir. Ouais. Je te suis. Du coup, on a dit que t'avais mis 12 heures pour atteindre le Unreal hashtag 1. Tu penses que quelqu'un qui est moins fort que toi, on va dire un joueur plus lambda, qui joue pas forcément en squad, qui joue en solo ou en duo, tu penses qu'il mettra combien de temps? 24 heures. 24 heures, mais de jeu plein. Ouais, de jeu plein, vraiment. En vrai, solo, c'est pas ouf à monter. Mais c'est bien, mais c'est pas ouf. En fait, tu peux pas faire des grosses games. Tu vois, comparé à la squad. Ouais. Des 30 kills, 40 ou quoi. Alors d'ailleurs, j'ai certainement déjà précisé dans l'intro, mais n'hésitez pas, je mets les réseaux de Krizik en description. T'as déjà des choses sur ta chaîne YouTube ou pas? Je suis pas trop YouTube. T'es plus actif sur quel réseau? TikTok, Twitter et Twitch aussi, mais c'est tout. Et du coup, question totalement à part, t'es en quelle classe? J'suis en première. Première, ok. Donc t'as quoi? T'as 16, 17? 16 ans, ouais. Et donc ton objectif, c'est de devenir joueur pro? Oui, voilà, c'est ça. Tu comptes passer sur PC prochainement ou tu restes console? Ça dépend, je gagne. Enfin. Je rapporte combien avec les cups? Ouais, donc en fait c'est bien une question de budget, genre si jamais là t'avais 2000€, oui, t'achèterais un PC. Oui, voilà. Ok, ok. Clairement. Non, parce que je sais que je connais un mec, il est joueur console mais il reste sur console parce que bah il a pas besoin de plus et apparemment il préfère jouer sur console. Ah, ça arrive derrière nous, exactement de là où on vient.
On va essayer de le tirer dessus, parfait, nice. Sur moi. Parfait, nice. C'est important de mettre la pression aux joueurs qui veulent essayer de monter. Essaye d'ailleurs mettre la pression aux ceux qui montent. Je sais pas où ils sont. Ok, ils se fightent en bas, c'est parfait. T'es à combien de pourcentage du drapeau là? La moitié? Non, pas encore. Là c'est 45, c'est bon 50%. Oh, let's go. Parfait, let's go. Du coup, on est bientôt c'est plus que 10 joueurs restants, il faut qu'on rush. Ouais, c'est ça. On a des bons stuff en plus. Là 30. Attends, regarde, je vais all-in avec mon c'est pompe. Seul, non? Vas-y, vas-y. Il est où? Là-bas. Moins 105. Mort. Bien joué. L'autre il est low. Fais gaffe, team. Tu peux jouer ensemble? Oui, je te rejoins. Ouais, c'est bon, je suis trop bien. On me check en plus, ils avaient. Attends, je vais monter, je vais prendre la hauteur. Je te suis. Je peux all-in avec mon pompe, hein. Vincent, il a un HP. Il a un HP au lit. Mort. Nice, parfait. Pompe mythique, en vrai, je vais garder le pompe exotique. Je t'attends, hein. On écoute le spam en vrai, hein. 38. Vas-y. Je rentre pas dans juste, je spam, mais c'est parfait. Je l'ai fait tomber. Parfait, voilà. Parfait. 38. Il va mourir de chute. Parfait. Il est mort, c'est bon. Voilà, excellent. On va tuer des bons joueurs, hein. C'est des anonymes à tout moment. Ah, pas de moi de chier, hein. Let's go. Tu sais que là, toute l'équipe qu'on fait, ça nous fait gagner énormément de pourcentage. Ouais, c'est ça. Là, on va se mettre bien parce qu'on a tué que des mecs forts. Pas de moi de chier là, et après, il reste que des bots. Ok, go rush. Non, on est vraiment bien. Faut juste faire gaffe aux barrettes en fait. Ouais, ça, de fou. Ça m'est déjà arrivé à plein de fois de prendre une tête alors que j'avais le meilleur stuff. Ah oui, on fait gaffe. Je le vois là. Oh punaise, tu m'as sauvé la vie. Voilà. En vrai, un conseil en vrai, c'est prenez les barrettes. Parce qu'en fait, si vous tuez un bon joueur, genre tu lui mets une tête, après voilà, c'est facile. Hein. Vous êtes en supériorité numérique de 20 et voilà. Hein. Enfin, c'est une petite méthode, mais c'est un peu, voilà quoi. Un peu cancer en vrai, c'est pas mal. Non, mais on s'en fout, de toute façon, ce qu'il faut, c'est gagner la game. Exactement, faut monter. Voilà. En vrai, faudrait qu'on les tue. Ah bah, ils se fight les derniers là-bas, il y a plus que deux teams, ils sont en train de se taper. Ouais, go, parfait. Je casse tout et tout va tomber, d'accord. Regarde comment c'est fort, tout va casser. Ouais, je crois que c'est tout, je suis d'accord avec toi. Un HP. Je vais le pas. Bien joué. Y'a un mec là. C'est son pote. Ok. Ah, c'est un duo, je crois. Ouais, y'a un duo et y'a le mec solo. Bien joué, on est en 2v2 et c'est ouais, la fin. 2v1. Ils sont bas. Viens avec moi, Je vais. 4-5 crash. Mort, fin. Let's go. C'est trop fort ce pont. Allez hop là. Et bah écoute, on va voir, j'ai gagné combien de pourcentage en faisant top 1 avec pas mal de kills, en ayant fait plein de kills sur la fin. Et sachant qu'en plus, c'est des unreal en face, hein, donc je devrais gagner beaucoup plus. Ouais. Je suis passé de platine 3. 11% à platine 3, 62%. J'ai gagné 51% en une game. C'est énorme. Ah, c'est énorme. En vrai, c'est propre. Hein. Bon, et bah écoute, Crisis, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo avec moi. C'était vraiment cool. T'hésites pas si à l'occasion tu veux faire la duo en live ou même pas en live ou quand tu veux pour qu'on monte Unreal, c'est cool. Et puis, est-ce que t'as un mot de la fin? Et bah, faites la strat, les gars, et voilà. J'espère que vous allez tous monter Unreal. Ah, d'ailleurs, petite information, je vous le donne comme ça parce que j'ai vu la statistique passer sur Twitter. Je pense qu'il y a autant de joueurs qui sont Unreal que de joueurs qui sont Bronze 2. Voilà. Comme ça, vous le savez. Sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut !